Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Travailler ici que la bride, il n'y a pas de calcul, enfin à part un petit peu, juste pour faire l'espace pour la tête, mais il n'y a pas ni de multiples, ni de trop de calcul à faire, puisque c'est un simple rectangle. Je vais vous apprendre ici comment faire la bride, qui est un point basique du crochet. Donc si vous avez peur de vous y mettre, et ben c'est la vidéo idéale pour vous. On va travailler la bride et bien sûr les changements de couleur. Je vais vous montrer comment cacher le fil. Donc c'est vraiment que des basiques du crochet. Si vous êtes experte en crochet, et ben vous pouvez faire également le modèle. Vous pouvez adapter ce modèle avec un point fantasy un peu plus compliqué. Puisque c'est vraiment quelque chose de très facile, il n'y a pas de couture. Je l'ai réalisé en coton parce que cette saison, j'ose pas l'acrylique avec la chaleur. Mais vous pouvez le faire avec de l'acrylique, avec le fil que vous voulez. Si vous êtes bien sûr dans un pays où il fait froid, bah faites-le avec de la laine. Voilà, comme vous pouvez, comme vous l'avez vu, vous pouvez alterner le poncho. Et ce qui est sympa, c'est de travailler comme je l'ai fait. Mais je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Vous allez voir, je vous laisse avec la recette et les ingrédients. Nous allons utiliser du coton. Et moi, il me restait une pelote de ce coton que j'ai beaucoup utilisé. Donc, je vais l'utiliser pour cet ouvrage. Et puis, je vais mélanger avec ces couleurs ici qui me restaient également d'un autre ouvrage. Comme on va faire une très très grande pièce... Et ben, je vais alterner en fait. Je vais commencer à faire des rangées avec celui-ci, après alterner avec celui-ci. Ça va me faire, je ne sais pas ce que ça va me faire, mais bon, je me laisse tenter par ces changements de couleurs. Vous à la maison, vous pouvez faire autant de changements de couleurs que vous voulez. Voilà. On va utiliser un crochet d'une taille numéro 4 mm. Je remontre parce que voilà. Parce que voilà. 4 mm. On va utiliser une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et un mètre de couture. Voilà les amis, c'est ça qu'on va faire. C'est très simple. On ne va même pas coudre. Il y a zéro couture. Donc si vous avez envie de changer bien sûr de couleur de fil, il faudra juste penser qu'on va cacher des petits fils. C'est pour ça que j'ai choisi une grosse pelote qui change toute seule un peu de couleur. Et puis je vais alterner en ajoutant d'autres coloris. Voilà, le poncho rectangulaire, c'est ça, ça se porte comme ça. Voilà, cet espace-là, c'est le trou pour la tête. Vous avez juste à l'enfiler. Et puis, vous pouvez le mettre de toutes les façons que vous voulez. Pour prendre les mesures, ce qui est très important, puisque vous voyez qu'il tombe, il est bien large, et c'est ça qui va faire la beauté de cet ouvrage. Vous allez vous mesurer, c'est quoi? Mon coude et mon coude, voilà. De coude à coude, de coude à coude. Vous allez mesurer tout ça. Et c'est cette mesure en centimètres que vous allez transformer en maille en l'air. Sachez que vous n'avez aucun double, aucun multiple, rien. Vous pouvez, là c'est vraiment un ouvrage très très facile, enfin très très facile, parfait pour les débutants. Voilà,
C'est pas quelque chose de compliqué du tout. Donc, ces 84 cm, on va les transformer en mailles en l'air. D'accord? Donc, moi j'ai choisi un crochet d'une taille 4 mm avec un fil qui se crochète avec des crochets entre 3,5, 4, etc. Donc, prenez bien un fil qui se crochète avec le crochet qu'il faut. N'ayez pas peur de prendre un crochet un tout petit peu plus grand pour que ce soit bien relâché, vous voyez, pour que ça tombe bien, même si on ne veut pas que ce soit trop trop relâché, parce que sinon ça va se déformer, ça va pas être joli. Voilà, que vous dire, et ben c'est parti les amis. Moi je vais faire une chaînette, je vais vous montrer, on va faire que des brides, ça va être très très simple. Voilà, je vais commencer par la pelote qui change un peu toute seule de couleur et je vous dis, je vais alterner, après je vais faire des rangées avec l'autre couleur, la couleur canard, etc. Alors, on va monter une chaînette, hein. Pour monter des chaînettes, bah, c'est simple. On monte des chaînettes. On n'a même pas besoin de les compter. Faut juste qu'elle fasse 84 cm. Surtout, ne crochetez pas serré cette base de chaînette, sinon votre ouvrage au bout va être serré, ça va pas être joli. La bande de rebord d'en bas ne va être serrée, voyez, ça va pas être joli. C'est pour ça qu'on ne crochète pas serré. En général, c'est mailles en l'air. Si vous avez tendance à crocheter serré, vous pouvez changer la taille de crochet, prendre une à deux tailles au-dessus, juste pour faire la base chaînette, et ensuite pour faire les points, et ben vous reprenez simplement le crochet numéro 4. Allez, on se retrouve quand on aura fini notre chaînette qui mesure, moi pour ma part, 84 cm. Vous, bah, ça dépend bien sûr de la mesure que vous aurez calculée. Et voilà les amis, vous mettez donc, je peux pas vous montrer en entier parce que j'ai pas assez de place, mais vous voyez ma chaînette. Hop, 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 hop. Voilà, elle fait 84 pour moi centimètres. C'est tout ce qui vous, c'est tout ce que vous avez, enfin vous, c'est tout ce qu'il vous faut comme information pour faire la taille que vous souhaitez. Et en plus, si vous la faire, vous voulez la faire plus grande, vous ajoutez plus de mailles en l'air. Voilà, vous voulez la faire plus petite, vous faites moins de mailles en l'air. C'est vraiment très très facile. Et voilà, ensuite, une fois qu'on est là, et ben on va faire des brides. Alors, on va monter 3 mailles en l'air pour faire la première bride. Donc, celle-ci, ça va être l'équivalent de notre première bride. Et donc, dans la quatrième maille en l'air, en partant du crochet, on va compter 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième maille en l'air, on fait une bride. Je vais aller un peu doucement sur cette étape, surtout si vous êtes débutante, c'est le moment d'apprendre à faire les brides. Dans la maille en l'air suivante, vous entrez, vous sortez, on a 3 boucles sur le crochet, on prend le fil, on passe dans les 2 premières, on prend du fil et on passe dans les 2 dernières. On fait un jeté, on rentre dans la maille en l'air suivante, on sort, on a 3 mailles, enfin 3 boucles sur le crochet. On passe dans les 2 premières et ensuite on prend du fil et on passe dans les 2 suivantes. Voilà. J'ai fait un petit récapitulatif sur la bride et maintenant on fait une bride les filles jusqu'à arriver à l'autre extrémité et on va se retrouver tout de suite. Une fois que vous avez terminé de faire votre première rangée de brides, on va commencer la deuxième en montant 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air sont la première bride, d'accord? Donc on va tourner puisqu'on va travailler en rangée. Et puis on va faire la bride suivante dans la bride suivante, d'accord? Et là, on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la fin de la rangée. Voilà. Là, je vous ai montré comment on débute la rangée. D'accord? Je vais vous montrer comment on termine et ensuite ce sera juste répétitif.
On se retrouve à la fin d'arranger les filles. Et voilà, arrivé à la fin de la rangée, la chose très importante à savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier la troisième maille en l'air ici, puisque les trois mailles en l'air correspondent à une bride. Sinon, nous allons avoir un ouvrage qui ne sera pas droit sur les bords. Donc c'est très important de ne jamais, enfin en tout cas pour cet ouvrage, de ne pas oublier de faire une bride dans la troisième maille en l'air, les amis. D'accord? C'est très important. Et ici, ben, je vais changer la couleur. Donc le changement de couleur se fait toujours à la fin de la rangée. Et quand on a presque terminé la bride. Là, vous voyez, j'ai presque terminé. J'ai passé dans les deux premières boucles et je passe dans les deux dernières avec la nouvelle couleur. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe le jaune. Je fais un nœud avec le bleu et le jaune pour bien fixer les fils, pas qu'ils s'échappent. Et je continue mes rangées. Comment on continue? Bah, comme je vous ai montré tout à l'heure, les trois mailles en l'air, les trois premières mailles en l'air pour faire la bride, on tourne. Et on fait la première bride, donc dans la première bride ici. Voilà, c'est tout simple. Quand on va arriver à l'autre extrémité, il ne faudra pas oublier de faire la dernière bride dans la troisième maille en l'air. Et puis, voilà. On continue comme ça, déranger et déranger. Alors, on va continuer déranger, déranger. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le dégradé de la couleur. Et je vais de temps en temps mettre un peu de bleu. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Alors, on va faire le même nombre ici et ici, donc devant et derrière, le même nombre de rangées. D'accord? Donc, on va se retrouver à ce niveau-là pour faire l'ouverture pour le cou. Et ensuite, on continuera. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, prenez un petit tilleul à la menthe, un petit café, cappuccino, chocolat, jus d'orange, mojito, ce que vous voulez. Placez-vous devant une bonne série de Netflix ou un bon documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale. Non, je plaisante. Moi, en ce moment, je suis en train de regarder la série qui s'appelle Sabrina sur Netflix. C'est une série sur des sorcières. J'adore. Voilà, les filles, un film, ce que vous voulez, et puis vous allez crocheter comme ça jusqu'à ce que vous obteniez la première partie de devant. Donc là, c'est vraiment à votre choix. Si vous avez envie de faire quelque chose de court, de mi-long, de long, voilà. Moi, je vais peut-être ajouter des franges ici à la fin. Ouais, peut-être, on va voir. Allez. On se retrouve au niveau du cou. Donc crocheter, je vous dis, regardez, vous placez de temps en temps l'ouvrage sur votre torse et puis vous allez voir hein, la longueur que vous voulez avoir. Et voilà les amis, cette première partie est terminée qui correspond au devant ou au derrière. De toute façon, c'est réversible. J'ai placé des marqueurs pour la tête car maintenant on va faire l'autre partie. Alors, de ce côté et de ce côté, vu que ça correspond aux épaules, on a exactement le même nombre de brides qui est 57. Et j'ai laissé ici 39 brides pour passer la tête. J'ai fait 53 rangées en tout et ça me... Cette partie, ce rectangle mesure 55 cm de hauteur et 91 cm de largeur. On va faire maintenant l'autre partie. Vous allez voir, c'est très facile.
Donc tout simplement, on va faire des brides jusqu'au premier marqueur. On monte nos trois mailles en l'air, on tourne, on fait une bride dans chaque bride jusqu'au marqueur. Tout simplement, lorsqu'on arrive au marqueur, on va le retirer. On fait la dernière bride à la place du marqueur. Et vous vous souvenez, moi j'ai compté ici pour le coup 39 brides. Donc je vais faire 39 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 39 mailles en l'air. On va aller directement, vous allez faire attention de bien tenir cette chaînette droite et on va aller directement au deuxième marqueur et on va faire une bride à la place du marqueur. On retire le marqueur et on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver maintenant à la fin de la rangée, tout simplement. Et ensuite, on va reprendre nos rangées de brides et on va faire exactement le même nombre de brides qu'on a fait de ce côté. Moi, dans mon cas, j'en ai fait 53. Eh bien, je vais faire 53 brides, rangées, 53 rangées pour avoir la même taille d'un côté et de l'autre. Je vais vous montrer comment on va revenir dans la prochaine rangée sur cette chaînette. On va faire une bride dans chaque chaînette. Ça va être très simple. Voilà les filles, quand on arrive au niveau de la chaînette, eh ben, on va faire tout simplement une bride dans chaque chaînette. Alors moi, je termine, je fais la dernière bride ici dans la bride. Et ensuite, bah, comme on a fait au début, on est parti sur une base de chaînette et ensuite on a fait des brides dans les mailles en l'air. Et là, on fait une bride dans chaque bride. Et puis, voilà, tout simplement, ensuite, on reprend les brides de l'autre côté au niveau de la deuxième épaule. Et puis, il suffira tout simplement de refaire la même chose que l'on a fait. Il n'y a rien de plus simple, vraiment. Je vous assure, c'est le tuto idéal pour les débutantes. Voilà, on va faire ça jusqu'à arriver à ici. Et voilà, on arrive ici. On termine bien sûr les brides dans les mailles en l'air et on reprend une bride dans chaque bride et après il suffit juste de continuer les rangées comme je vous disais tout à l'heure en faisant nos changements de couleur en nous amusant, voilà. On va se retrouver à la fin, les amis. Pas de couture, c'est génial. Voilà les filles, une fois que vous avez fini, que vous avez fait le même nombre de rangées de chaque côté, et bien ici, quand vous arrivez à la fin, vous faites une maille en l'air pour bloquer le fil. On le coupe, on passe et on ferme bien ici, on serre. Je vais vous montrer maintenant comment on range les petits fils. Vous allez prendre une aiguille à tricot. Voilà, vous passez le fil à travers et bien sûr, vous allez passer l'aiguille à travers les mailles de chaque couleur. Il vaut mieux que vous passiez le fil dans la couleur correspondante. Voyez? Ça ne se voit pas. Vous allez faire un aller-retour. Je pense que ça suffira. Vous essayez de piquer ailleurs pour faire en sorte de ne pas revenir sur la même rangée de mailles que vous venez de traverser. Et puis c'est tout.
Vous coupez à ras et le fil est caché nickel. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner car je publie 2 vidéos par semaine. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et aimez-vous surtout. Ciao, ciao!